Je mets une couette alors bienvenue. Moi, il me dit que je suis déconnecteur, je suis connecté. Donc, je pense qu'il est pas con. C'est pas de faute. Vas-y, si tu peux l'éviter là. C'est mieux, ouais, ils ont bien en fait. Qui c'est qui fait les entrées du coup, c'est toi? Non, c'est. Et voilà. Je pourrais rajouter dessus. Alors, c'est bon, c'est écrasé un peu le format. Pas sûr, c'est que ça fait c'est, deux lignes. En fait. C'est vrai que c'est quand même difficile de monter. Allez, fais voir un peu si t'es beau gosse. Moyen. Hello. Salut. La forme. Ouais, là. Super. Hello. Du coup, ça y est, ça balance là. Très bien. Le live. Ouais. Salut, ça va bien? Salut, ça va? Ça va. Salut, salut. Ça va? Tu vas plus mais ça va. Ça va. Je suis venu pour voir, je suis pas venu, c'est la dernière version. Ah, c'est la dernière version? Oui, c'était juste une version test que j'avais envoyée. Oh, ok. Ah, du coup, je vais. Ça marche le ça sera en PDF du coup? Je vais mets sur ouais. Il y a une. Y a un par contre, pour switcher de page en page. Oui, j'aurai un raccourci. Oui, c'est page down. C'est page down. Non, je sais pas. Ça peut marcher. Ça marche. Je sais pas, c'est pas bien. Vas-y. Ça dépend des. Oh, trop fort. Non. L'espace, ça marche pas. C'est incroyable, c'est quoi? Espace, ça marche. Si, mais espace si, aussi. Espace, ça marche. Espace aussi. Ah, mais si tu veux remonter après, j'ai peur que tu sois bien. Ah, par contre. Ça va panique. Le truc plan, tout ça. C'est que s'il faut être. Il y a un truc qui va pas. Claudius, faut on décale la caméra pour être là. Il faut décaler l'ordi pour mettre là. Décaler l'ordi pour mettre là plutôt. Okay. Tu veux? Bah, sinon tu peux pas faire space en fait. You know. Il est où ton. Le bien. Clermont Tech. Le super. Non, c'était pas évident. Celui-là le. Salut. Bonjour. Ouais. Il y a Lolo. Il y a Cédric. Sachant qu'il faut penser aux gens qui sont aveugles. Oui, ça merde ça. Je voulais. Ah, bah éteins là. Éteins. Bah oui, on l'a. Dès qu'il y a un mec qui essaie de communiquer, quoi. C'est fou. Hein? Je sais pas si Claude. C'est la cam. Ouais, c'est la cam. C'est tout flou. Parce que allô c'est le débit qui est mauvais. Sinon, on change le débit. Ah, mais c'est pas que c'est flou, c'est la qualité qui est pourrie. Ça va? Tu sais que le de rien. Pour la voiture ou la maison? Je suis en fond. Et alors? T'as deux devis, et non, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais voir telle boîte. Non, mais cette boîte, c'est pas leur métier, puis ils font de la merde. Ouais, faut pas écouter tout ce qu'on lit sur internet. Là, il vient d'en repasser chez moi. Mais non, non, moi, je vais deux devis, parce que là, vos devis sont trop chers. Là, le volet, ils ont pas besoin d'être changés. Bah, écoutez, vous connaissez bien. C'est leur boulot. C'est expert. D'accord, ambiance de merde. Ambiance de merde. La voiture? La voiture, elle est réparable. On a oublié qu'ils faisaient un moteur. Combien il y a pour réparer? Pas grand chose, 5-6 000 euros. Quoi. Ah ouais? Mais voilà, quoi. Changement du berceau, grosse géométrie.
Si je la remonte, je suis obligé de le dire. Donc j'ai perdu ouais, un petit peu. Quoi. Ouais, tu vas garder, il va falloir emmener jusqu'au bout, t'as plus le choix. T'es condamné à avoir un Nixon X Trail. Aïe, 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 aïe. D'accord. C'est pas cool. Du coup, c'est pas pouvoir rester Milan. C'est faut que vous ayez faire les papiers là, pour l'expert. Ça doit partir avant demain. Il faut mieux. Dans son jardin, ça t'embête si j'enterre un corps ou pas? Mon jardin? Ouais. Oui. Je peux faire te le dire clairement. D'accord. Donc il me faudrait. Donc ouais, je vais mettre une table là. Hein. Ah, je vois que ça, ouais, c'est... En fait, on a emmené le truc là, il doit être. Ah, je vais la chercher. Oui, parce que sinon, tu peux pas faire l'espace. Et là, grosse amélioration. Et puis, c'est ouvert ça, en fait. Ouais. Ah, mais non, mais moi je suis même sur le lien, je pense que jamais. Il y a peu de risques. T'inquiète pour. Ah mais là tu stream que l'autre écran, c'est ça? Quoi? Non, je stream l'écran. Non mais je comprenais pas oui, pourquoi je voyais la souris là, je me dis bah merde elle vient si pas je te... Si je mets les deux en fait ça déconne avec le... avec les ratios et tout ça, je pense que c'est ça qui est... J'avais mis en miroir. Et du coup t'en as mis deux?
vidéo de ta mère, si, ça marche. Quoi? T'en as mis, t'en as fait, j'en ai vu deux dans les vidéos, puis le dernier coup, il y a manqué. Oui, parce que celle de Vincent, Paul, ouais. Elle a grandi, et ça saccade à mort en fait, parce que. D'accord. Okay. J'avais pas prévu le coup, mais après, j'espère qu'en fait ça. Ouais, j'essaye de la retravailler en fait. Je vais tester le live dehors avec la 4G. Hein? Je vais tester le live dehors. Ouais, vas-y, vas-y. Moi avant les autres. Par contre, t'aurais dû faire en troisième, t'aurais dû faire cette. Et récupérer une amélioration d'équipe. Non, c'est juste en fait pour que les gens. J'ai deux sites en amélioré. Si t'as déjà un champion, je vais faire le jeu, tu fais une mission difficile après pour un petit champion. Manu, yes, sir. C'est un peu avancé.
Toi, tu dors par exemple. Mais de l'huile. Ça va être bon. Thank you.
Thank you.
Ah, ça va être
Oui. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle Happy Hour numéro 22, l'Happy Hour de rentrée. Alors, un petit rappel, comme à chaque fois, de ce qu'est les Happy Hour et l'association Clermont Tech. À travers notre manifeste, on privilégie toujours le partage, donc l'échange parmi les participants et avec les speakers. On est ouvert et technologie agnostique, donc on parle de tout. On est indépendant et on ne sera jamais dicté notre ligne éditoriale par un intervenant extérieur. Et avant toute chose, le respect entre les participants et avec les speakers au travers de la façon dont on échange. Donc les attirateurs, comme d'habitude, c'est non pas 4 tôles ce soir, mais une nouvelle fois 3 tôles, avec le premier qui durera 30 minutes et 2 tôles de 15. Donc une heure, une cinquantaine de personnes maximum, des lieux et des jours variables, des vidéos en ligne qu'on essaie de tenir assez régulièrement, le plus possible, une fréquence de 6 à 8 semaines entre deux happy hours, et après les conférences, donc l'happy hour qui permet d'échanger ensemble autour d'un verre. Alors, ce soir, on le rappelle, donc on cherche des talks et des speakers. En particulier cette année, on est vraiment à la recherche de nouveaux speakers. Donc si jamais vous avez une idée de talk, si jamais vous souhaitez venir parler, de partager avec nous, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc sur one2speak@clermontech, ou sur hello@clermontech aussi, ça fonctionne. C'est vraiment le moment, on est vraiment à la recherche de nos speakers. Même si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez faire, ou si vous voulez parler quelque chose, vous n'êtes pas sûr que ça va intéresser ou de l'objet, on peut vous aider. N'hésitez pas à venir échanger avec nous aussi à ce niveau-là, que ce soit par mail ou en direct après. Donc on essaie de mettre l'accent là-dessus maintenant. On veut vraiment pousser les nouveaux speakers cette année et développer donc le nombre de talks et le nombre de speakers. Dans le même esprit, une petite nouveauté ce soir. On va lancer un questionnaire qu'on va vous diffuser après l'Happy Hour. Donc à vous, on va diffuser sur la mailing list, sur Twitter. L'idée, c'est de savoir en fait avoir votre avis sur les Happy Hour, avoir un retour pour essayer de s'améliorer, savoir ce qu'on peut faire au mieux. Il est un peu long, mais normalement il se remplit vite. S'il y a des questions, vous pouvez les appeler, il n'y a pas de souci, vous répondez à ce que vous voulez. Répondez-y que vous veniez souvent ou pas, voire même si vous êtes, si d'autres personnes dans votre entourage ne sont jamais venues à Clermont Tech, on veut bien qu'ils le remplissent aussi pour avoir leur avis, même en tant qu'extérieur. C'est important pour nous. Donc on compte sur vous pour remplir ce questionnaire et nous aider à améliorer les comptes. Alors sans eux, on aurait du mal à organiser nos comptes, donc c'est nos sponsors, on les remercie une fois de plus. Et en particulier ce soir, donc on a les représentants de Dome Raider qui sont venus pour vous faire une présentation de la société. Donc si Tristan, tu es là. Alors je vais te passer la parole. Coupez ça. Un, deux, parfait. Merci. Bonsoir à tous. Bon, alors c'est la page de pub du coup de la soirée, donc je ne vais pas vous embêter longtemps. Je suis Tristan Colomel, fondateur de Prizy il y a maintenant 16 ans, fondateur du fonds d'investissement Efficiency en 2012 et fondateur de Dome Raider, la start-up que je suis venu vous présenter ce soir en 2013. Alors, Dome Raider, on est une petite start-up clermontoise.
Alors attention, ça va aller très vite, je vais vous laisser les 45 slides dans 5 minutes. Vous devez vous signer 7 secondes par slide maximum. Les noms de domaine, vous savez tous ce que c'est. Les noms de domaine, on en a, il y en a 300 millions dans le monde, des .com, des .fr. Et ces noms de domaine, dès lors que vous les réservez, vous en êtes titulaire aussi longtemps que vous payez votre renouvellement annuel. Un an, 10 ans, 20 ans, c'est vous qui voyez. Mais lorsque ce nom de domaine, vous décidez de ne plus le renouveler, eh bien, il est abandonné. Et des noms de domaine abandonnés, il y en a quand même 1% chaque mois. Ce qui représente, mine de rien, 100 000 noms de domaine qui, chaque jour, redeviennent disponibles, ne sont pas renouvelés. Lorsqu'un nom de domaine est abandonné, il passe d'abord par une phase de rémention qui dure 30 jours à 60 selon les extensions. Pendant cette période, le nom de domaine est désactivé, mais son ancien propriétaire peut à tout moment le renouveler. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien le nom de domaine est libéré. Et dès lors qu'il est libéré, n'importe qui peut le réserver, et la seule règle qui s'applique à ce moment-là, c'est la règle du premier arrivé, seul servi. Bon, il faut être honnête, la majorité de ces 100 000 chaque jour n'ont finalement aucune valeur. C'est des noms de domaine qui n'ont pas été utilisés, qui ont peu d'intérêt, donc qui ne nous intéressent pas non plus. Mais 1% d'entre eux ont une vraie valeur. Parce qu'ils sont rares, ils sont courts, ils ont un joli nom, ou ils ont de l'actif SEO, du trafic historique, ou encore ce sont des noms qui peuvent s'appliquer à plusieurs marques ou à plusieurs sociétés. Et ceux-là, ils nous intéressent. Et nous, notre métier à Downrider, il se décompose en trois étapes. La première, c'est de qualifier ces noms de domaine. On va d'abord chercher à les identifier, parce qu'il n'y a pas de liste publique, il faut déjà du robot pour les trouver. Collecter un maximum d'indicateurs sur chacun de ces noms, des indicateurs SEO, des indicateurs venant de X outils qui vont nous permettre de faire un score. Et ce score, c'est sur cette base qu'on va pouvoir décider qu'est-ce qu'on va récupérer, qu'est-ce qu'on va tenter de récupérer et ce qu'on ne va pas tenter de récupérer. Deuxième étape, les attraper. Là, c'est simple, on se bat contre nos concurrents, il s'agit d'être le premier. Seule la requête qui sera la première pour tenter de réserver le nom de domaine au moment où il se libère passera. Et nous, bien sûr, notre jeu, c'est de devoir passer avant les autres. Il y a un prérequis. Il faut déjà être accrédité. Pour pouvoir avoir accès directement au serveur du registre, dans chaque pays, pour chaque extension, on doit passer une procédure lourde d'accréditation sur dossier. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, et c'est là que c'est vraiment l'enjeu, c'est du technique. Il faut avoir le meilleur code, avoir les meilleurs robots qui vont, selon la stratégie de chaque pays, placer la bonne requête pile poil au bon moment et jouer sur les quantités pour obtenir les noms. Troisième étape, c'est valoriser les noms de domaine. Là, c'est plus classique. Une fois qu'on les a attrapés, on cherche à les commercialiser. Et là, on travaille avec des enchères, des catalogues, des marketplaces, X solutions qui nous permettent à la fin de vendre ces noms. On travaille sur un marché qui représente aujourd'hui plus de 500 millions de dollars US dans le monde, le second marché des noms de domaine, et sur un segment encore plus précis, celui que je viens de vous présenter, qu'on appelle le dropcatching, et qui lui est en pleine naissance et en plein boom. On a une ambition qui est très modeste, on veut juste devenir les leaders mondiaux de ce petit secteur, qui mine de rien représente à lui tout seul 100 millions de dollars US. On a déjà une longue avance, puisqu'on a été créé il y a 3 ans, on a déjà une bonne équipe et on est vraiment efficace en termes de code, d'algo et surtout on est en très forte croissance. On est déjà une dimension internationale, puisqu'on est accrédité maintenant sur plus de 10 registres différents et on est encore en train d'en faire autant qui seront faits dans les mois qui viennent. On vient de sécuriser une levée de fonds de 4 millions d'euros. Et on est déjà une équipe de 14, on était un peu moins nombreux sur la photo à ce moment-là, équipe qui est en plein développement, puisqu'on devrait être une trentaine d'ici mi-2017. On cherche du monde, plein de monde, pour remplir les postes qui restent. Un petit aperçu de ce qu'on cherche aujourd'hui, du product owner, des chefs de projet, des data scientists, data analysts, et des lead devs. On a des nouveaux locaux, tout beau, tout neuf. On vient de prendre 500 mètres carrés, on a installé sur le parc technologique de la Part-Dieu. On a pu décorer, voilà, faire une ambiance vraiment très sympa, une petite ambiance lounge avec un bar, etc. Chez nous, les valeurs humaines, c'est très important. Il y en a 5. En fait, il y en a 6, mais ils m'ont censuré un slide. Bon, désolé. Parce qu'il y avait une blague sur WinDev. Fallait pas. L'agilité, le partage, le fait d'être des conquérants, l'innovation, et l'épanouissement, c'est très important pour nous, on est vraiment dans cette philosophie. Il faut que chaque personne qui participe à la société soit vraiment épanouie dans ce qu'il fait, se développe et fasse avancer tout le monde. Ce qu'on a à proposer, pour peut-être des gens qui pourraient être intéressés, c'est des vrais challenges techniques de pointe. Je vous en ai donné un tout petit aperçu tout à l'heure. Je serais ravi de pouvoir vous en parler davantage.
vous trouverez dans le petit sac de goodies que vous aviez sur chaque chaise une petite invitation en fait pour poursuivre, parce que 5 minutes c'était trop court. J'ai envie de vous parler de notre stack, j'ai envie de vous présenter notre équipe, on est en force ce soir, vous avez tous nos reconnaître, on a le JL, ils sont tous au fond de la salle, on est 6, dont deux membres éminents qui vont pouvoir interroger ce soir notre équipe technique. Vous avez juste envoyé un petit SMS, vous envoyez café au numéro qui s'affiche et que vous avez dans votre petite fiche, et la charmante Cédrine ici présente sera ravie de vous rappeler dans les jours qui viennent pour vous proposer de venir tout simplement nous rencontrer. Aucun engagement, rien du tout, on sera ravis de vous recevoir, de vous présenter l'équipe, vous présenter les locaux, vous parler de nos projets, et pourquoi pas, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Ça serait un plaisir, voilà. Et si vous avez besoin d'un dernier argument pour vous décider, on a un super candidat. Merci à tous, bonne soirée, bonne conférence. Un rappel, donc toujours existant, donc le Platidex d'un côté, pour si vous avez une déclinaison de notre mascotte à nous proposer, n'hésitez pas à l'envoyer. Le Planet pour inscrire les événements tech et pour l'informatique en général, donc sur un agenda. Donc pareil, ça marche avec des PR sur GitHub, n'hésitez pas à envoyer. Le micro-concept Clermontois, on a changé le slide ce coup-ci, juste pour vous. Suite à la demande de Paul, on vous envoie le. Voilà, il y a le Sigfox Maker Tour qui passe à Clermont-Ferrand. Donc, si ça vous intéresse, c'est une après-midi autour du réseau Sigfox qui a été présenté lors d'un happy hour par Paul Pinault. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est un après-midi qui se passe au bivouac et qui est une sorte d'atelier en fait autour de Sigfox. Merci à James de nous recevoir ce soir. Et donc, le menu du jour. Donc, une fois n'est pas coutume, cet happy hour est spécialisé. Puisqu'on parle, les trois talks parlent de base de données. Donc on va avoir Aymeric qui va nous présenter un panel un peu exhaustif des bases de données et de ce qui existe autour. Étienne qui va nous parler donc, de RustingDB, pardon, et Claude de Redis. Et donc tout de suite, je laisse la parole à Aymeric. Ah oui, on pouvait participer sur WiseAmbly comme d'hab, pardon. Donc sur WiseAmbly avec le mot dièse Happy Hour 22 sur Twitter aussi, ça fonctionne, donc ça permettra. Ma gauche pour poser des questions. Et le prochain Happy Hour, eh bien, on ne sait pas, ça se passera dans entre 6 et 8 semaines, mais quelque part à une heure donnée. Voilà. Je laisse la parole à Aymeric. Nickel. Nickel. Parfait. Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver ce soir. Donc je vais vous parler dans ma présentation de base de données. Donc je n'avais pas la place de mettre le titre complet, en vrai c'est Adopte une famille de gestion de base de données de type OLTP, ça ne rentrait pas sur ma présentation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui on travaille tous, ici dans cette salle il y a de nombreux développeurs, on travaille tous dans des domaines bien distincts, que ce soit le marketing, l'assurance, la banque, les médias. Et on a tous un point commun, c'est qu'on développe des applications. Et dans certaines de ces applications, on va traiter des données, donc des entrées, des sorties. On va venir récupérer des informations quelque part et on va venir en générer. Ces informations, elles sont précieuses. Ça fait souvent au cœur de la société. Et du coup, on ne va pas juste les archiver dans un coin sur un disque dur, on doit les rendre vivantes, on ne veut pas les archiver. Et pour ça, on doit les stocker de manière intelligente. Et c'est exactement le rôle des systèmes de gestion de bases de données qui ont pour justement objectif de proposer des outils pour indexer, rechercher toutes ces données. Donc la question qu'on doit se poser à chaque fois dans chaque projet, c'est quelle est la forme des données qu'on vient manipuler, quelles sont leurs caractéristiques, pour être capable en fonction de ça de choisir le meilleur outil approprié. Et c'est un choix très difficile parce qu'aujourd'hui on recense plus de 300 systèmes de gestion de bases de données différents, avec une petite répartition ici par rapport à la volumétrie. Donc les bases de données relationnelles que vous devez certainement tous connaître, trustent un peu le marché, de 80% des bases de données aujourd'hui, c'est des bases de données relationnelles. Donc le plan de cette présentation,
c'est vous présenter 6 familles caractéristiques des bases de données. Donc l'idée, c'est pas d'être exhaustif, 30 minutes pour présenter ça, c'est très court. L'idée, c'est juste de vous donner des pistes, des idées de réflexion, faire vous présenter en gros ce qu'on peut avoir, avec ici un graphique qui indique l'évolution de la popularité de chacun de bases de données. Donc pourquoi depuis 2013, il y a toutes ces familles de gestion de bases de données qui apparaissent. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les bases de données relationnelles. Alors, une base de données relationnelle, c'est un peu comme une feuille de calcul sous Excel. En gros, vous stockez l'information sous la forme de tables qui peuvent correspondre à donc des tables à deux dimensions avec des lignes et des colonnes, dans lesquelles les lignes correspondent à ce qu'on appelle des enregistrements, des instances, hein, pour parler programmation objet. Et puis la table, ça correspond un peu à votre classe d'objet. C'est-à-dire, vous allez définir des attributs, comme par exemple, si on veut définir... vous voulez stocker des villes, vous allez créer une table ville avec des propriétés comme le nom, la population, et puis pour chaque ligne, vous allez venir instancier. Ici, par exemple, on instancie 3 villes. Donc, les caractéristiques de ces bases de données, c'est qu'on peut parler de ce qu'on appelle une modélisation objective des données. C'est-à-dire qu'on va venir modéliser l'information de manière à éviter le plus les répétitions. Si, par exemple, je souhaite stocker dans ma table ville le nom de la région, je ne vais pas répéter pour Clermont-Ferrand et Lyon le nom de la région, je vais plutôt extraire cette information, la mettre dans une autre collection, la table région, et utiliser ce qu'on appelle les clés primaires pour venir indexer ces contenus et les référencer via une clé étrangère dans ma première table. Donc c'est des concepts que vous connaissez certainement tous. L'idée, c'est que les bases de données, ça peut être très volumineux. Si vous avez 1 million d'enregistrements, 1 million de lignes dans votre table, comment vous faites pour récupérer l'information précise quand vous recherchez la ville, le numéro 3600? Ben pour ça, on met en place ce qu'on appelle des index. Un index, ça vient du terme justement d'index terminologique. C'est comme à la fin d'un bouquin dans lequel, notamment dans le livre de programmation, vous êtes tous allés à la fin du livre, et puis vous avez un mot et vous avez les pages qui étaient associées, qui utilisaient ce mot. Ben c'est tout simplement ça, un index. Et l'objectif pour les systèmes de gestion de bases de données, c'est de pouvoir indexer votre contenu pour que vous puissiez très rapidement, par exemple en uniquement 20 étapes, pouvoir rechercher l'élément que vous avez, que vous cherchez. Donc on va voir après comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est que dès que dans les bases de données relationnelles, dès que vous voulez faire un filtre, vous voulez faire un tri, etc., vous allez utiliser ces index dans des bases volumétriques, sinon le temps de calcul sera beaucoup trop long. Il y a plein d'implémentations différentes, donc c'est juste pour vous en présenter une rapidement, que vous connaissez peut-être, c'est tout simplement les arbres binaires ou ternaires, etc. En gros, le principe, c'est d'avoir un arbre dans lequel toutes les feuilles, c'est les valeurs que vous recherchez, et l'idée, c'est, par dichotomie, de vous proposer une structure pour à chaque fois que vous êtes à un niveau sur une branche, de dire quelle est la branche fille que je dois prendre. Donc imaginons, on reprend mon exemple de ville, j'indexe la table région ID, et je cherche récupérer la ville qui a le région ID numéro 4. Donc je vais commencer sur, donc ici c'est un arbre juste à deux niveaux, je vais récupérer mon racine, je fais la comparaison à chaque fois, est-ce que 4 est inférieur à 3, non, est-ce que 4 est inférieur à 5, oui, du coup je me propage dans cette branche, et sur le niveau suivant, comme en récursif, je viens faire les mêmes opérations. Est-ce que c'est différent? Là je suis sur une feuille, oui, je passe au suivant. Est-ce que c'est la bonne valeur? Oui, nickel. Donc là, du coup, en peu de comparaison, j'ai trouvé mon élément parmi 7 valeurs. Et du coup, une fois que j'ai trouvé ma valeur, on va avoir quelque chose d'associé qui est l'adresse sur le disque, par exemple. Il peut y avoir plein d'implémentations différentes. Mais la philosophie, c'est que les index, le contenu des bases de données tient pas toujours en RAM, souvent sur des disques. Du coup, il faut aller. Le coût disque est très très complexe. Donc du coup, on va avoir directement, en gros, les pointeurs qui vont amener directement la tête de lecture sur la valeur que vous recherchez. Donc en gros, voilà, ça permet d'avoir plein de valeurs différentes, et grâce aux index, avec ces pointeurs, vous obtenez. Donc l'idée, comme ça, c'est vraiment d'avoir une complexité algorithmique. Dans les caractéristiques principales aussi, que vous devez connaître sur les bases de données relationnelles, c'est ce qu'on appelle les transactions acides. Donc pour faire très, très rapidement, le principe, c'est qu'en gros, qu'une transaction, c'est un ensemble d'opérations que vous souhaitez effectuer. Ça peut être par exemple une transaction bancaire, vous prenez 1000 euros sur un compte, vous le reversez sur l'autre. Donc l'idée, c'est d'assurer une atomicité. Il faut que la transaction, soit elle passe entièrement, soit rien ne passe, c'est annulé. La cohérence, vous passez le système doit passer d'un état A à un état B. L'isolation, si vous passez plein de transactions en même temps, elles doivent s'opérer les unes les autres de manière indépendante.
et la durabilité, une fois qu'une transaction est passée, elle doit persister, elle doit être. Pour les bases de données relationnelles, souvent on a le langage standard, donc SQL, qui est un langage très riche qui permet de décrire le contenu des tables, créer des index, manipuler les données, faire des tris, des recherches, des insertions, enfin tout le bataclan, et vous pouvez trouver ensuite donc, les jointures, les agrégations, etc. Donc un exemple rapide, voilà, si je souhaite récupérer les villes ayant plus de 100 000 habitants, les trier par ordre de population et que les 10 premières, on peut faire très aisément ça avec SQL. Les implémentations, donc les GBD qui implémentent ce type de système, donc à chaque fois,